10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, top. Thomas Vauclair est un... Thomas Vauclair, c'est un coureur que j'admire. Allez Thomas, allez Thomas. Thomas Vauclair, c'est l'incarnation du coureur qui se bat, qui tente, qui ose. Thomas Vauclair, c'est le panache. Il va aller la chercher, cette victoire française. Oui, bravo monsieur, vous êtes un grand, un très grand. Seigneur. C'est un seigneur. Il y a des personnages, des champions, des guerriers qui marquent le Tour de France. Thomas en fait partie. Thomas C'est un emblème, c'est un mythe. Son histoire est liée au Tour de France, mais surtout l'engouement du public. Mais demain, on fera rien, c'est trop dur pour nous. On peut mettre nos cartouches aujourd'hui. Attaque de Thomas Vauclair. Il lâche rien, il va toujours au bout et puis même il en redonne. On a une étoile. Moi, elle s'appelle Vauclair. Et... J'ai un peu d'émotion parce que il y a une vieille histoire avec Thomas qui c'est mon dernier briefing avec lui. Donc j'ai essayé de pas me rater. On a un tour à faire. D'abord, vous allez tous le faire pour Thomas parce que quand même, on a fait des années et des années. Il a piloté la boutique. Il va vous laisser un héritage. Hein. Profitez de ce Tour de France. La vie de Thomas, ça a été l'honnêteté, la précision et le professionnalisme. On va faire une belle fête. Maintenant, j'ai une petite surprise. Voilà les gars, un petit cadeau. Ah bah merci. T'as vu ? Donc il est pas là, ça. Alors t'essaies de pas te casser sur le tour. Hein. Et pour Thomas et Bip-Bip ! Ouais ! Bip-Bip ! Ouais ! Moi je vais juste compléter le briefing de Jean-René en disant que faut rien regretter et puis que rien n'est impossible, tout simplement. Je ne peux pas nier et pas cacher que c'est la course qui m'a révélé que mon histoire de coureur est liée au Tour de France. Peut-être même mon histoire tout court, mon histoire d'homme tout court est liée au Tour de France. Et c'est, voilà, c'est l'épreuve qui m'a... Il y a eu un avant et un après 2004 quand j'ai porté le maillot jaune. Et ça a bouleversé ma carrière et un petit peu ma vie. Ouais. L'année 2004, c'est l'année où j'ai commencé le vélo et forcément, son épopée cette année-là sur le Tour de France a été extraordinaire et suivre ça, ça a été vraiment un grand moment et je m'en souviens encore alors que bon, j'avais à peine 12 ans à ce moment-là. Quoi. Déjà, si on m'avait dit après 2004 que je le reporterais un jour, j'aurais pas forcément cru. Et Thomas Vauclair avec Pierre Roland dans sa roue. Thomas Vauclair qui en termine et qui sauve son maillot jaune. Je me rappelle de lui en 2011, quand il est attaqué au pied du télégraphe et du galibier. Pour 35 secondes, il conserve son maillot jaune, mais le perd deux jours plus tard dans l'Alpe d'Huez. Pour moi, il représente une fierté, simplement. Cette fierté d'avoir pu transmettre des émotions au public. Merci Thomas, prends le cours ça. Je pense que tout le monde se voit un petit peu à travers Thomas. Quelqu'un de très humain qui fait profiter les potes, qui les invite tout simplement à la maison, prendre l'apéro, faire un barbecue, des choses simples de la vie quoi. Je pense que c'est pour ça et je pense que les gens se rendent compte qu'il est comme ça. Quoi. Des fois, j'ai été gêné qu'on me remercie parce que je ne comprenais pas pourquoi on me remerciait. En fait, me mettant dans la peau du spectateur ou téléspectateur, moi qui aime le sport, quand je regarde, des fois, ouais, il y a des sports qui m'ont procuré vraiment des émotions. Et j'ai compris qu'en fait, j'ai réussi à faire passer des émotions aux gens. Et ça, c'est une chose dont je suis fier. Tout le public français et tous les passionnés de cyclisme doivent remercier Thomas Vauclair. À Thomas Vauclair. C'est top, quoi. C'est presque la plus belle des récompenses quand vous avez des enfants qui vous regardent avec des grands yeux et qui vous demandent un autographe, une photo ou que vous leur tendez un bidon après une arrivée parce qu'ils n'osent pas vous le demander. Quoi. Ça, c'est génial. Quoi.
Tu vois, je viens quand il y a France Télé, c'est... Ah ouais, je vais direct chez les vieux. Ah ouais, bien, propre. Ça va, Grand ? Ça va, la combativité ? Ça va, Pierrot ? Tu as un café, Pierrot ? Ah, volontiers ! Vous avez devant vous le successeur de Bernard Hinault, vainqueur à l'Alpe d'Huez. Parce qu'après, c'est devenu une mode de gagner à l'Alpe d'Huez en étant français, mais c'est lui qui a débloqué le compteur. C'est devenu la montagne des Français après la montagne des Hollandais. Bon, qu'est-ce que tu vas nous faire sur ce tour, Pierrot ? Quand est-ce que tu te bouges le cul un peu ? C'est bien beau d'être affûté, machin, non, d'avoir un beau maillot, des beaux équipements. Merci beaucoup. On va peut-être se lancer dans le boulot, hein ? En fait, je suis malade, je viens vous filer. Oh non, le salaud. Excuse. Allez, hop. Je suis pas sûr de mon physique, je sors de la carte excuse. Ouais, t'es pas au mid-board, là, gamin. Faut taper dans le sapin. Il y a des fois, j'ai pas de poids, j'ai de mauvaise humeur, et aujourd'hui, je suis d'humeur badine, c'est incroyable. Allez, viens, mon Pierrot, tu seras le chef de ma bande. Allez, Pierrot. On y va, la banane entre les dents. Un plus. Thomas, ah, ça te plairait, hein. Thomas. C'est une équipe qui est basée sur la famille, sur l'amitié, la fraternité. Ils vivent la plupart les uns à côté des autres. Et ben voilà, c'est une équipe de vélo qui est différente des autres parce que on travaille pas dans cette équipe. On fait la course, quoi. Forcément, il y a des liens d'amitié qui sont très forts. Allez, faut que tu commences à t'habituer, hein. Allez, viens. Voilà, il y a une fin à tout. Et personnellement, pour ma part, ça me fait bizarre aussi parce que c'est un autre de ma génération qui s'en va. Donc on se dit qu'à un moment donné, ça va être son tour. Voilà, il y a une fin à tout et je peux que lui souhaiter bon courage et bonne chance pour sa seconde vie entre guillemets. La moyenne d'âge des 4 ? Oh, ça va, moi. Arrête. Bah, 111 ans tous les 3, plus moi. Il a été très bienveillant avec moi depuis 2 ans. Et voilà, j'ai un peu le sentiment d'être orphelin après. Après, là, je redoute un peu le fait quand il va raccrocher le vélo. Parce que nous, dans le bus, il est au fond et sa place... elle se mérite, quoi, et c'est vrai que sa place, je pense qu'elle va longtemps rester sans personne, quoi, parce que personne osera la prendre. Je te fais un bisou pour son anniversaire. Merci. Ça va ? On va tout faire, évidemment, pour prendre cette échappée aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de vous cacher, nos meilleures cartes pour la journée sont Thomas, Sylvain et Calmeuge. Parce que le but, c'est pas seulement d'être devant, bien sûr, c'est d'aller tilter l'étape, quoi. Demain, on fera rien, c'est trop dur pour nous, demain. On peut mettre nos cartouches aujourd'hui. Demain, ça va être l'explication entre les leaders. Demain. Et après, lundi, c'est repos. Le fait que Thomas dise ça, c'est qu'on ça place le curseur de nos ambitions pour la journée. Ah, oui, c'est ça bien. Le plus important. Ça marche ? Allez, avec l'accélération maintenant de Lilian Calmejean. Putain, c'est pas vrai, t'imagines ce que ça rigole ? Mon 8 juillet. Victoire sur le Tour de France à la station des Roses pour Lilian Calmejean. C'est fait pour son premier Tour de France. Le mental, il l'a. La santé aussi, le talent, ben écoutez, on est en train de le situer assez haut. Beaucoup de gens, ils ont dit que c'était le nouveau Beauclerc, ben il ne doit pas s'en être très loin. Ça va. Merci pour tout, mon péri. Bon, on va remettre une bière de plus. Hein. Belle journée. Bon, en tous les cas, des frissons. Tu m'as donné des frissons aussi. À nous aussi. Je demandais aux gens, qui c'est qui a gagné ? Tranquille, mais tranquille. Mais qui c'est qui a gagné ? Calmejean. Putain ! Même si on lui a pas mis de pression, si Jean-René lui a pas dit, écoute, c'est toi le leader ou quoi, on savait tous que c'était lui notre meilleure carte. Mais entre le savoir, dire c'est lui, dans chaque équipe, il y a un mec qui est la meilleure carte. Mais d'aller gagner de la manière dont il l'a fait, avec la détermination qu'il y a mis et presque la préméditation, c'est assez bluffant. Et il a montré que sur cette journée, il a montré qu'il avait les épaules pour être un coureur du Tour
et supporter tout ce qui va avec. Quoi. Si des fois il y a un changement avec l'échappée ou quoi, il faudra mettre. Enfin, je vais à 36 sur le vélo qui me suivra, que je sois dans le peloton ou dans le groupe et tout, ou dans l'échappée. D'accord. Ou alors tu mets 36 surtout. Vu le profil, y a pas, je suis pas persuadé que j'ai une chance d'être dans l'échappée, mais il vaut mieux toujours prévoir le coup. Ils ont nos vies entre leurs mains, c'est pas une expression. Parce que dans les descentes, on dépasse les 100 km/h quelquefois. Pour les fous du peloton, bien davantage même, dont je fais pas partie. C'est vrai qu'une étape comme demain, où ils annoncent quand même des orages, ça veut dire des descentes mouillées, les descentes sont en plus très techniques, ouais, c'est clair que le matériel, c'est, on n'est pas en Formule 1, mais le matériel c'est plus qu'important, quoi. C'est primordial clairement. Après une équipe c'est un tout, c'est pas seulement les mécanos, c'est pas seulement Lilian qui a gagné aujourd'hui, c'est vraiment un ensemble, ça va de l'ostéopathe au mécanicien, à l'assistant. Bravo Thomas, c'est 36 km 0, ça a marché hein. Troisième point. Ah la vache. Allez Thomas. Keeps the vomit on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind. Ah mais les gars, c'est pas vrai ça. Ah. Coucou. À un moment ils ont dit que t'étais complètement lâché. Ah bah attends, je suis revenu après hein. J'étais pas tout seul à l'arrière du peloton. Hein. Il y avait même Thibaut Pinot, c'est pour te dire. Ah. Bah oui. Mais bon, lui, il a fini dans le peloton. Moi, j'ai fini un peu derrière. T'es content de boire à la bouteille? Tu peux pas prendre un verre comme tout le monde? T'auras plein de choses à faire quand tu rentreras. Oui, bah, ça tombe bien, je serai à la retraite. Je vais déjà faire un peu de vélo et après, pas de problème, je ferai tout ça avec plaisir. Ça m'occupera. Je suis pas du tout en regardant dans le rétro à me dire ah qu'est-ce que c'était bien, j'aimerais le revivre. Bon, le temps fait son œuvre, le temps passe et je garde surtout à l'esprit que j'ai eu la chance de connaître ces moments-là. Quoi. C'est surtout ça que je me dis. Si on m'avait dit qu'avant, quand j'ai signé mon contrat professionnel lors de ma première année, quand j'ai terminé avant-dernier du Tour d'Italie, si on m'avait dit que je ferais 17 ans chez les pros avec que ça soit sur le Tour des épopées magnifiques, des résultats que j'ai eus. Dont je suis fier, bon, j'aurais rigolé, quoi. Quand je suis passé pro, j'espérais pouvoir faire quelques années en ayant du travail et en vivant de ma passion, quoi, tout simplement. Je pense que d'un point de vue sportif, il aura encore envie de continuer, mais je pense que c'est plus ça qui commence à le peser, c'est le fait de partir et d'être toujours loin de ses enfants et de sa femme, voilà. Voilà, juste qu'il maintenant qu'il profite à 100% de ça et une belle reconversion, mais ça, je lui fais confiance. Le Tour de France lui a tout donné, d'ailleurs, s'il arrête, c'est symbolique. On doit rendre au Tour de France ce que le Tour de France a donné. Le plateau de Baye, où j'ai été dans la voiture, je pense pas qu'un milliardaire puisse se payer les émotions que j'ai vécues avec Thomas cette journée-là dans le plateau de Baye. Ouais, c'est une page qui se tourne pour moi aussi, parce que je lui ai dit, j'ai commencé avec lui, je vais finir avec lui. Mais beaucoup d'émotions, parce que on se verra tout le temps, mais... Je passe plus de temps avec lui qu'avec ma femme. Ouais, c'est... Ça va faire drôle. In this dirty old part of the city, when the sun refused to shine, people tell me there ain't a single try. C'est la fin, oui. On n'a jamais été aussi près. Hein. Il ne reste plus qu'une étape. Voilà, on assiste au dernier contre-la-montre de Thomas. He's been working and slaving his
ça ouvre.